Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition. Le trophée des commerces délivré par la CCI de Seine-et-Marne. La 11e édition avait lieu ce lundi. 10 commerçants récompensés pour leurs actions innovantes, un prix souvent utile pour attirer les clients. À Bussy, le collège Cousteau est en pleine effervescence. Ses élèves sont engagés dans plusieurs concours. Le premier dans le domaine des sciences, une classe de 5e a déjà remporté le prix académique. D'autres ados du même âge participent eux à un concours de cuisine éco-responsable. Enfin, l'ANI imite Milan, du moins sans les grands couturiers. Les commerçants de la ville organisaient un défilé de mode samedi en plein centre-ville. Objectif, promouvoir le commerce de proximité auprès des habitants. 10 commerçants seine-et-marnais ont été récompensés ce lundi à la Chambre de commerce et d'industrie lors du traditionnel Trophée du commerce, une initiative pour mettre en valeur les actions locales originales. Céline est pharmacienne, elle a changé de voie et ouvert un magasin de prêt-à-porter féminin depuis un an à Lagny-sur-Marne. Toute la déco a été pensée et réalisée par ses soins, ce qui en fait un lieu unique, complètement personnalisé au dire du jury. Il n'en fallait pas moins pour qu'elle fasse partie des lauréates. Qu'est-ce que ça peut apporter au magasin ? Je ne peux pas aujourd'hui évidemment le quantifier, ça ne se matérialise pas. Maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est attiser la curiosité des uns et des autres, notamment dans l'envie de vouloir déjà découvrir un univers différent et puis pourquoi pas du coup venir consommer dans la boutique. Développer son activité, c'est le rêve de beaucoup de ces commerçants. Concrètement, ce trophée n'amène aucune récompense financière. Les lauréats reçoivent surtout ce prix papier et un bon coup de pouce publicitaire, un moyen effectivement de se faire connaître auprès des clients. Leur donner un prix, c'est bien, mais aujourd'hui, on a tous besoin d'être connus. Donc si ça peut leur servir de levier pour être plus connus, donc nous offrons une page dans la République de Seine-et-Marne, la Marne et le Pays Briard, pour communiquer sur ces lauréats. Et puis nous relayons auprès des bulletins municipaux et de tous les supports de com qui peuvent être présents, le site de la Chambre, le blog du président, tout ce qui est pour que ça leur donne de la visibilité. Seul bémol, l'impact de cette publicité est difficilement quantifiable. Ces initiatives locales récompensées ne sont plus isolées. Aujourd'hui, le commerce de proximité évolue pour satisfaire le nouveau mode de consommation des clients et se démarquer des grandes chaînes. En 10 ans, les organisateurs de ce trophée ont remarqué chez les commerçants un élargissement des horaires, un développement des circuits courts, du travail en réseau ou encore du numérique. Serait-ce de bon augure pour leur brevet ? À Bussy, des élèves du collège Cousteau sont engagés dans plusieurs concours. Le premier dans le domaine des sciences s'appelle C'est génial. Une classe de 5e vient d'en remporter l'épreuve académique. Les collégiens ont séduit le jury avec une roue à géométrie variable. La finale nationale les attend en mai à la Cité des sciences. Autre concours national, une toque à la cantoche, organisée par GDF Suez. Des élèves de 5e sont toujours en lice avec leur repas éco-responsable. Le but, faire appel à des producteurs locaux et consommer le moins d'énergie possible pour cuisiner un menu. Une BD dessinée par les collégiens retrace même la préparation de la recette. Résultat du concours le 30 avril. Heures samedi après-midi pour mettre en valeur le centre-ville de Lagny-sur-Marne et ses commerces, c'est le pari qu'ont tenté 12 commerçants de la ville en offrant un défilé aux passants. Une manière originale de promouvoir les articles qu'on peut trouver à côté de chez soi, une manière aussi de se distinguer des grandes surfaces. L'objectif global en fait c'est surtout de prendre du plaisir à être dans notre ville et à avoir un commerce qui est ultra dynamique et montrer que nous sommes là. Et que nous avons aussi des commerces variés et divers. Donc ça, c'est ultra important. Et de savoir aussi que les commerçants sont motivés et qu'ils ont du plaisir à recevoir les gens en centre-ville. L'association Lagny Commerce compte aujourd'hui 70 adhérents, parmi lesquels la boutique Ascot, qui a par exemple mis à disposition ses vêtements pour le défilé, Mariella Dumortier, qui en est la gérante, et dans ses petits souliers quand elle coache les mannequins locaux. Ça va aller ? Pour moi, c'est extraordinaire. Ça fait 15 ans que j'ai ma boutique. Et donc pour moi, c'est le top, voilà. Ah bah les vêtements sont chouettes, en même temps on a fait des essayages avant. C'est une super initiative, ça met de la vie dans la ville de Lagny et ça fait une bonne publicité pour les commerçants, c'est chouette.
Voilà un client acquis à la cause. Reste à en trouver de nouveau. L'association Lanicommerce poursuivra sa stratégie de conquête et de fidélisation une semaine avant les soldes d'été en organisant une semaine de vente privée. Pour trouver du boulot, il faut se lever tôt. Ce mardi, le Valmobuie organise une matinale emploi. Ce sera la MJC du Luzard à Noisiel. Un salon de recrutement focalisé sur un secteur bien précis, en l'occurrence les métiers de la logistique et du commerce de gros pour cette première édition. Ce domaine représente 33% des offres d'emploi répertoriées sur le territoire de l'agglo. Les candidats inscrits au préalable passeront une série d'entretiens express durant la matinée. On reste exactement dans le même thème, direction Ponto cette fois-ci. Mercredi, le point d'information jeunesse organise une journée job d'été. L'occasion de dénicher un petit boulot estival parmi la centaine d'offres proposées. Seuls les majeurs pourront candidater et même passer un entretien sur place. Principaux secteurs à recruter, la restauration, l'animation ou encore la logistique. Plus d'infos sur le site de la ville. Ne zappez pas tout de suite le journal des sports de Fabrice Joubert. Reportage sur le Ponto Handball Club, les jaunes et bleus sortent enfin la tête de l'eau depuis quelques matchs. Et puis, compte rendu d'une rencontre de tennis de table à Chelles, filles comme garçons visaient une montée en National 1. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi pour de nouvelles infos locales. Salut.